Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo en rapport avec Noël. Donc voilà, cette année j'ai décidé de faire un Daily December, ce sera la première, une première pour moi. Mais quand j'avais reçu les papiers de enfin, de Noël Vintage, je vais y arriver, j'arrive pas à lire en anglais, de chez Stamperia, de la boutique La Tienda de la Manualidades, j'ai tout de suite pensé à faire un Daily December. Donc, Daily December, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est de faire un mini-album sur tous les jours qu'il y a avant Noël. On peut aller jusqu'au 31 décembre si on le souhaite, mais moi, je vais faire jusqu'au jour, jusqu'avant Noël. Donc, on va mettre des photos de tous les jours, des jours en attendant Noël. Donc, ça peut être la décoration du sapin, ça peut être un anniversaire, une fête, peu importe. Mais voilà, c'est les jours avant Noël. Donc, j'ai décidé de faire ce mini-album-là. Et donc on va commencer. Donc ce sera avec la collection de chez Stamperia. Donc il y a des petites cartes comme ceci que je trouvais trop mignonnes. Vraiment trop trop sympa. Donc je vais les utiliser. Je vous les montre rapidement. Je vous mettrai si vous voulez en lien la vidéo où j'ai présenté le haul de cette collection. Je vais y arriver. Donc elle est dans les couleurs vertes, rouges et très vintage. Avec un peu de gourmandise de Noël. Hop, je vous montre tout ça rapidement. Voilà. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Hop. Donc, pour commencer, je vais prendre du carton d'emballage de céréales. Vraiment tout simple. Voilà, c'est juste un carton d'emballage. Et je vais venir le découper aux dimensions que je souhaite. Voilà, donc là j'ai découpé mon carton. Donc j'ai gardé la pliure du carton pour faire l'album. Donc je vous donne les mesures. Au bout du compte, il fait 33. Donc ça veut dire 13,5 là. 13,5 là. Et 6 au milieu. Voilà, ça fait 33. Et en hauteur. Il fait 25 cm. Voilà, je vous les mettrai hein, les mesures. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc ensuite, on va venir. En fait, j'ai envie que mon album il fasse comme une petite maison. Donc je vais venir faire mes mesures. Donc là, je vais mesurer 18,5 cm. Donc je me mets 18,5 sur toute la longueur. Hop. Je viens mettre ma marque. Ceci. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, j'ai fait une marque à 18,5 cm et je vais venir prendre le milieu de mon carton. Donc mon carton pardon, fait 13,5, donc ça me fait 6,7 à peu près. Hop, je vais faire pareil de l'autre côté, 6,7. Tac. Et je vais venir faire des diagonales. Comme ceci. Donc de la marque. Hop, la marque à 18,5. Je vais venir faire de mon coin ici, au milieu de mon carton, ici, je vais faire la diagonale. Tout simplement. Et ça fera le haut de ma maison. Toc. Voilà, donc je vais venir ensuite découper. Donc je découpe
ma diagonale ici, ma diagonale ici. Et là, je viens couper au droit, où j'avais fait mon trait à 18,5, jusqu'à la prochaine diagonale. La diagonale ici. Et la diagonale ici. Donc, ça me fait deux maisons. En fait, ça fera comme ceci. Voilà, donc là, j'ai la base de mon album et on va venir le décorer, lui mettre du papier dessus. Donc là, j'ai déjà choisi, hop. Donc je vais venir mettre, je vais faire comme ça, ouais. Donc je vais venir en fait mettre mon papier comme ceci dans le coin, je vais venir le coller et mon toit, je vais utiliser l'arrière du papier qui est rouge pour faire mon toit. Et je vais venir coller tous mes éléments, en fait, les uns après les autres. Et je pense que je vais vous laisser en accéléré pour cette partie-là. On se retrouve quand c'est... Donc là, j'ai fait toute la structure et je l'ai bien laissé sécher. Et donc maintenant qu'elle est sèche, je vais venir pouvoir rabattre ma couverture pour que ça me fasse ceci. J'essaie de mettre... Voilà. Une fois que j'ai fait ça... Je vais faire une deuxième chose, donc c'est pour ça que je ne rabats pas encore totalement. Je le finirai tout à l'heure. Je vais venir mettre un ruban ici, et je vais venir recouvrir d'une espèce de petite dentelle comme ceci ma structure. Et pour mettre la dentelle, en fait, je vais vernir la structure et je vais venir y mettre la dentelle et bien laisser sécher. Et je vous retrouve juste. Thank you.
qu'une fois que toute ma structure est bien sèche, donc là, voilà, la colle a bien séché, on voit la petite dentelle en quadrillage derrière. J'ai aussi mis de la colle ici. Donc une fois que tout ça c'est fait, voilà, on peut venir maintenant re-bien plier, mettre nos plis de la structure, hop, tout doucement. De l'autre côté aussi. Voilà. Et là, on se retrouve comme ceci avec nos structures de fête. Donc maintenant, on va passer à la reliure. Donc ça va être une reliure en U, tout simplement. Donc j'ai fait plusieurs petits éléments. Alors, je vais vous dire les mesures et je vous les noterai quelque part par ici. Donc vous avez un premier papier de 17,5 sur 7,5. Un autre de 17,5 sur 6,5. Un autre encore de 17,5 sur 5,5. Ensuite sur 4,5, sur 3,5 et sur 2,5. Et pour chacun des éléments, on va venir faire une marque de 1 cm de chaque côté. Hop. Alors, je vais prendre ça, je décale ça. Et là, je viens marquer 1 cm de chaque côté, en fait. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, on voit les plis. Donc, à chaque fois, on aura 1 cm de chaque côté. On va faire ça pour chaque élément. Et ensuite, on viendra les assembler. On viendra les coller sur le milieu de la structure. Donc là, j'ai bien collé toutes mes reliures. Je vous montre. Et ici, j'ai rajouté sur chacune des faces de ma reliure du double face pour venir y insérer les pages. Donc voilà, tout simplement. Donc les pages, elles font 17,5 sur 12,5. J'en ai 12. 12, c'est le nombre aussi de reliures que j'ai. Et je vais venir les fixer chacune. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai terminé de mettre toutes mes pages. Voilà, hop. Donc j'ai mes 12 pages. Donc Crypto Verso, ça fait 24 pour les 24 jours avant Noël. J'ai oublié de faire quelque chose, mais c'est pas trop trop gênant. Je vais venir vieillir mon papier avec le petit outil. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux. Je vais venir le vieillir et je vais venir l'ancrer avec une petite encre vintage parce que j'ai vraiment envie que l'album il soit très vintage. Quand j'aurai fini de vieillir tout ça, je viendrai mettre
du papier ici. Je pense que je vais venir mettre le sapin là. Et pareil de l'autre côté. Donc pareil, le papier, je l'abîmerai en fait avec l'outil et je viendrai le vieillir avec l'encre. Et ensuite, je viendrai mettre mon papier ici, que pareil, je viendrai vieillir avec cet outil et que je viendrai ancrer avec l'encre vintage. Quand j'aurai fait tout ça et que j'aurai tout collé, je vous retrouve juste après. Donc là, je suis en train de poursuivre la décoration de mon album. Donc j'ai préparé toutes mes pages, je les ai distressées avec l'encre et avec un petit outil. Vous pouvez le faire avec une paire de ciseaux. J'ai réalisé tous mes embellissements. J'ai fait mes petits numéros. Je vous mettrai d'ailleurs ici sur le petit point i, si vous voulez voir la vidéo pour réaliser les petits numéros des jours avant Noël, comme ceci. J'ai mes petites fleurs aussi. Je vous mettrai pareil ici la vidéo des petites fleurs qui vont venir décorer la suite hop, par ici, ma structure. Et je vais venir aussi mettre une petite attache parisienne sur le côté avec un petit élastique. Et c'est ce qui permettra de faire hop. La fermeture de mon album. Donc, je vais poursuivre la vidéo en accéléré et je vous retrouverai quand j'aurai tout terminé.
Voilà, donc là j'ai terminé mon album. Voilà la page de couverture. Hop, sur le côté, ça donne ceci. Par l'arrière. Voilà, je vous le montre rapidement parce que je pense que vous aurez eu la vidéo déjà avant. Je vous montre l'album. Donc voilà l'intérieur avec toutes les pages. Donc voilà, donc enfin, moi j'ai pris un grand plaisir à réaliser ce Daily December. Pour l'instant, il n'est pas rempli, mais voilà, il ne saurait tarder. Si ça vous intéresse de le voir après rempli avec les photos et peut-être certainement d'autres embellissements, vous me le direz. Je pourrais vous le montrer. Il peut très bien servir pour album classique. Enfin voilà, il n'y a pas d'obligation de faire un Daily December, on peut le faire en album tout à fait classique, on n'est pas obligé de faire en album de Noël. Après, libre à vous, avec les papiers que vous avez, de le décorer comme vous le souhaitez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve normalement très très bientôt pour une autre création qui n'aura rien à voir avec ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir tout le monde!